Salut les amis, bienvenue pour ce 28e épisode du WTTT. Aujourd'hui, on se retrouve avec une team qui me plaît énormément parce qu'on retrouve enfin un meneur. Donc, en plus, c'est bien, c'est Gultard, c'est notre petit chouchou. Malgré ça, j'ai eu la chance de faire quelques petits tests et en fait, j'ai perdu. Pas parce que je fais des erreurs. Bon, l'erreur est humaine, c'est quelque chose de normal. Mais c'est surtout parce qu'en fait, la team n'est pas assez, elle n'est pas assez poussée, si vous voyez ce que je veux dire. Là, j'étais en train de parler avec mon dernier adversaire et c'est vrai qu'en fait, dans ce qu'on m'a proposé, il manque peut-être un Lucky Luke ou encore une Daiguri ou encore ci ou encore ça. Ça fait qu'en fait, Gultarn, et il se retrouve facilement tout seul. Il perd de la vie pour rien au début parce que le Srami le pousse. Surtout quand il y a une map avec des Kamas tout au milieu et que plus vite tu là, t'as les Kamas, plus vite t'es buff. Etc. Donc, le but quand même de cette team, c'est quand même de mettre en place une certaine stratégie afin que notre ami Kultarn ne perde pas trop rapidement ses points de vie. Et surtout que l'adversaire d'en face ne soit pas un gros château qui tape du moins 6 par tour avec un simple tir perforant qui tape du moins 1 à la base. Voilà. Donc on joue contre un personnage qui se nomme. Enfin, contre un personnage, un adversaire qui se nomme Saïs. Il a 56 victoires et 33 défaites. Salut! N'abandonne pas mon copain. Voilà. On le prévient bien sûr qu'on filme. En attendant de ton adversaire. En fait, c'est lui qui lag. Hein. C'est magique. Alors, il manquerait plus qu'on fasse ça. Allez, abandonne, abandonne, abandonne. Wouhou. Voilà, en fait, il va abandonner. Ah non. Ouf. Oh. Oh, ça me plaît ça. Et le critique. Oh yeah. Oh, il y a de la team en face. Ouh! Ouh là là! Ouh là là! Alors, attendez. J'ai envie de placer ça là. Lui là. Je vais le placer là. Je vais me mettre comme ça. Oh, le petit message. Bonjour, petit message. Comment ça va? Alors, on va faire attention quand même à ce méchant bonhomme. Donc, il a quand même 5 de PO. On va jouer, bien sûr, en premier parce qu'on est the best. On est le meilleur. Parce qu'on a le plus d'initiative et qu'on va l'exploser. Allez, 3 Kama. Voilà. Donc, ce qui est bien avec les Stramis, en fait, c'est que ils vont pouvoir aller avancer. Ils vont pouvoir avancer. Tout droit, ce qui va leur permettre, hop, on va prendre ça. Bien sûr, je le prends pour moi. Ce qui va leur permettre en fait, vu qu'ils peuvent être, enfin, vu qu'ils peuvent perdre de la vie qu'au corps à corps, ça va leur permettre d'avoir un certain avantage sur face à leurs ennemis, qui eux en fait, ils peuvent taper même à distance. Donc j'entre. Je me perds un peu dans mes mots, je suis désolé. J'essaie de me concentrer parce qu'en face on a quand même une team assez intéressante. Hein. Toutefois, les Quentin Flash, ils vont perdre rapidement de la vie. Le message qui revient, mais c'est bien, casse-toi, on t'a déjà dit bonjour. Voilà. Donc lui il a un peu peur. T'as peur, c'est ça, hein. T'as peur de perdre de la vie face à moi. Hein. Ah. Est-ce que c'est bien joué? Oh, ce que c'est bien joué. Oh, c'est bien joué, ça va. Mais pourquoi les gens, quand ils me tapent, ils font du moins 3? En fait, je pige pas. Ça fait 2 combats que je fais. À chaque fois que le meneur de la team d'en face tape, il me fait du moins 3. Et je vais péter un câble, en fait. Ça commence à me saouler. Et les gens, ils tapent du moins 3 comme ça. Et... Allô, quoi. Je me prends pour Nabila. Wouhou. Bon. On peut l'exploser en un tour. Ouais, si on tombe sur des bons trucs. Aqua buff, ça sert à rien. Engluement, ça sert à rien. On l'a profond, quoi. Ou bien on peut commencer à taper le petit personnage, là. Voilà. Oh, tu fais un bon pour reculer. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Oh, l'épée chouchou, je l'aime pas du tout.
Alors, on attend les cartes à flèche. On va peut-être commencer à... Non, pas taper papa, mais papa, il me fait peur. Oh merde. Et le message qui revient, c'est chiant. Oh là là. Je me plains aujourd'hui, je me plains. Autour de sa daguerre qui a l'air très tenace, moins 6. Ouh, je sais pas. Est-ce que je tente le diable? Si j'ai une armure, je tente le diable. Je le dis haut et fort, je tente le diable. Je m'en fous de faire cette erreur. Mais c'est tellement, mais tellement beau. Après, celle bouge. Tu bouges pas? Alors, j'aime pas ça en fait. Ah bah si, ça a bougé. Bon, c'est pas grave. Alors, critique. On va mettre un boubou sur lui. Voilà. On va le mettre sur lui au cas où. Comme ça. Oh, super. Voilà. Il me faudra un pyro boost. Ah bah c'est parfait. Allez. On va lancer une petite attaque dans l'eau. Voilà. Pour le mettre en garde. N'approche pas, sinon je te pétonne. Oui, c'est ça l'engage comme les autres. Alors, 4 PA. Là, je me pose une petite question. On va quand même le mettre sur lui. Ouais, c'est la petite question que je me posais. Est-ce que ça vaut le coup? On va voir. Bon, logiquement, ça peut valoir le coup. Elle, elle va se mettre là. Ma petite quag, elle va se retourner là. Alors. C'est bien chiant. Faut l'avouer, c'est très très bien chiant. Très 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 bien chiant. Donc nous avons une popo, nous avons de quoi taper quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, vas-y, mais tape. Et lol, mais tu veux taper quoi là? Et oh, c'est un comique. Et ce mec est un comique. J'ai envie de. Vous voyez, imaginez-vous qu'en fait, le mec, bah en fait, je mets un gros pouce devant lui. Juste pour dire. Ok! Juste pour lui dire que je m'en fous royalement de ce qu'il vient de faire parce que. Il va en prendre cher la patate. Il va prendre gros la patate, le bonhomme, parce qu'il connaît pas Wayland Smith. Et. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de. De cacher l'APO au Yop. Bon, peut-être des erreurs de sa part, peut-être que c'est voulu, mais en tout cas, bah moi je vais en profiter pour aller frapper. Attendez, qu'est-ce qu'il lui a donné? Ok. Pour aller frapper bah, cet idiot de Dove Catalyst. Alors, 3-1. Ouais, ça reste. Alors, est-ce que. Qu'est-ce que je peux faire? Il me tend un peu la perche là, non? Vous pensez pas? Mais il me fait un peu peur quand même. Ok, t'as fait un éclair. Ah, youpi! J'ai un peu peur. Mais bon, c'est pas grave. Donc ouais, il prépare toute cette team et tout, ça c'est un peu chiant. Non mais faut l'avouer, c'est vraiment casse-pied. Bah nous on va taper. En fait on va taper la quagagule. Ah, la coco. Eh, la quagagulée. La quagagulée. Mais je prononce tous les pseudos comme ça ou quoi aujourd'hui? On va taper quag. Hop. Allez, tant qu'à faire. Oh. Oh.
Oh. Mon Dieu. Alors, ça peut faire très 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 mal. On va prendre la popo. Comme ça, on l'aura utilisée. Mais là, je crois qu'il peut. Il peut commencer à avoir peur parce qu'il peut avoir très 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 mal. On va reculer encore. Cette coagulation, on va l'avancer. Celle-là, bon, on la met dans le tas, elle a plus que 5 points de vue, on s'éclate. De toute façon, elle est que niveau 1, c'est pas bien grave. Faut prendre des risques, mais là, j'ai un peu peur quand même, c'est assez compliqué, hein. Elle a plus que 3 points de vue en face. En fait, on peut être face à un combat assez stratégique aujourd'hui. Et c'est dans des cas comme ça que j'aimerais retrouver ma petite. Enfin, mon petit Lucky Luke. C'est tout? C'est tout? C'est tout? C'est pas un noob. Bon, tu peux taper un minimum, s'il te plaît. Merci. Voilà, super. Il a tué. Oh. Tu t'es fait guaquer là. Alors, réfléchissons. 3, 4. Mais ça va me manquer un PO parce que voilà, je suis comme ça. Mais je voulais savoir. Alors, 3. Ah, ça me saoule qu'ils prennent toutes les récompenses démoniaques. En tout cas, en face, c'est vraiment une team très intéressante à jouer. Elle est quand même bien conseillée parce que. En face, il n'y a pas un meneur, mais il y en a deux directement. Deux meneurs, ce qui est quand même assez bizarre. Hein, parce que meneur, logiquement, il y en a un seul. Mais ça reste quand même très très intéressant. Ouais. C'est fun ça. Viens. Viens. Je suis là. Ok. Donc, on va reculer la coag. On va avancer. Nos deux amis. Ou bien la quag. Attendez, je réfléchis un peu quand même. Ou bien on attend Pimpin et Pimpin on le bute. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça la question en fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On sait qu'on a 8 PA. Qu'avec. S'il vient encore à corps, on lui fout 4 coups de dague rafaise, donc moins 4 points de vie. Moins 8 si on compte l'aérobuff. Moins 12. Ouais, en gros, on peut one shoot 1. Pour toi. Oh oui! Pour lui! Ah, par contre, c'est pas très cool. Ah mince, je me suis fail, voilà. C'est ce qu'on appelle généralement une erreur. Viens, mon coco, viens. Viens, va, papa. C'est assez long. J'ai pas envie de risquer de perdre mon Gultan. Même si ça sent encore la défaite. À planer. Oh. C'est chiant. C'est. Là, je dois avouer que ça me perturbe un peu. Bon, il a un léger avantage quand même là. J'attends la petite ouverture. Et le souci, c'est qu'il n'a pas l'air d'en montrer. En moins 2. Et en fait, le problème, c'est que lui, il peut bien taper à distance. Voilà, il se buff. Bon, bah. Bon, disons que les récompenses démoniaques qui demandent 3, un coup de 3 PA. 3 PA, 3 Kama, bah, ça le fait, quoi. Bon, est-ce qu'on fonce dans le tas?
Alors là, c'est la vraie question. Est-ce que je fonce dans le tas? Oh, bon, en tout cas, toi, t'es mort. Bien sûr, un CC, rien que pour faire chier son monde. Bon, c'est pas grave, tu vas crever de toute façon. Je vais prendre mon courage à deux mains. Et on va aller défoncer son Dovecat à 10. Ouais. Ah! C'est très intéressant là quand même. Bon, bien sûr, voilà, Pyro Best. Pyro Boost, pardon. On va faire un petit coup critique. Ouais, allez, moins 6. Voilà. Sauf qu'en face, c'était toi, mec. T'as un mec qui s'appelle Gouldard. Et tonton Gouldard, il est pas content de ce que t'as fait. Parce que c'était pas poli du tout. Donc, tonton Gouldard, il va te punir. Bon, là, je crois pas qu'il ait compris qu'en fait, le Srami ne prend pas de dégâts à distance. Merci de retenter ta chance au corps à corps. Voilà. C'est bien, il comprend vite en moi. C'est cool. C'est cool. Bon, moins 4. Est-ce qu'elle pourrait le tuer? Telle est la question. Enfin, elle. Putain. Voilà. Oh non. Oh, c'est peut-être mal joué ce que j'ai fait. Mais ça me saoule en fait. Moins 2. Ah, les CC ils tombent. Voilà. Alors, on va perdre un Srami, ça c'est moins cool. Enfin, il va perdre une Koag à côté, donc c'est un peu plus cool. À part s'il veut pas la jouer suicide et qu'il vient me taper avec son perso. Là, par contre, est-ce que... Oh oui, moins 0. Allez, là on peut prendre l'avantage. Il va reculer comme un boulet. Ah, il décide d'avancer. Est-ce que c'est bien joué ou est-ce que c'est mal joué? Telle est la question. Bon, il préfère le suicider. Il va se retrouver avec 5 GG et moi 7. 8. Oh, suicide! LOL! Ouais. Ah ouais. Je me dis pourquoi il se retrouve avec 3 GG. Ouais, 5, 8, voilà. Et là. Ouais, mais tu peux taper, tu peux la taper, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il va... Il va taper Srami. Oh non, mais le mec! Mais... Mec! Mais lol! You are serious? Mais le mec, je ne le comprendrai jamais, hein. Faut que je l'avoue, je peux pas le comprendre. Je réfléchis un peu pour ce que je vais faire. Ah là, il va plutôt taper mon Gouldard. Bien sûr, il va faire des CC. Ah. Ah, c'est intéressant. 3. Il lui reste 2 points de vie. Je crois que je vais d'abord taper en zone. Je vais le pousser, je vais taper en zone. Avec la Quag. Je vais venir te frapper. Il y a un truc qui peut se mettre en place là, ça me plaît. On va le donner à toi.
Mon petit pépère, toi, tu vas le taper. Voilà. Tu vas même le positionner. Et tu vas même le tanker. Et tu vas même te casser. Voilà, parce que moi j'utilise plusieurs verbes quand je parle. Quant à toi, mon coco, tu veux utiliser un pyrobœuf. Non pas pour taper dans le lot. Voilà. Bon, c'est peut-être mal joué, le pyrobœuf, mais personnellement, ça m'éclate. Quand même. Allez, hop. On va se mettre là. Et ma petite Quag, tu vas me faire l'honneur de me faire un... Ah, je t'ai demandé un CC, Quag. Mais c'est pas grave. Parce qu'on va pouvoir le jouer au tout ou rien avec le cantaflèche. Donc là, on prend quand même l'avantage. On la joue, c'est assez serré. Je dois avec, je dois avouer que j'ai quand même un peu peur. Parce que là, tout peut changer en un tour. Ok. Il vient chercher. Elle l'a pas apporté. Ah, il l'a caché. Je m'en doutais. Je m'en doutais. En 3. Ouais, bah c'est fini. Déjà. À part... Ah, peut-être pas fini en fin de compte. Oh, moins 1. Oh oui, non, c'est pas fini. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur. C'est moi qui ai l'aérobuff. Non! Bah. Oui! 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 Gul'tan! The Survivor! Tintin! Tintin! Oh, c'est bon ça! Eh! On a de la chance! On joue risqué! Donc, oui, j'ai fait énormément d'erreurs, mais. C'est le but! Le but, quand même, que je rappelle, parce que oui, je me tape beaucoup de commentaires. Oh, tu fais beaucoup d'erreurs! Oh là là! Mais faut pas oublier que quand on teste une team, on est obligé de faire des erreurs. Et si vous les trouvez, c'est que c'est génial, c'est que vous comprenez le bah, ce qu'est en fait la, enfin, le pourquoi du WTTT. Oh, j'ai envie de faire ça, tiens. Le mec qui sert trop à rien. Hop, ah oh, bah voilà, ah bah quoi. Alors 4, on va acheter. Ouais, trop bien. C'est le truc qui sert totalement à rien, faut l'avouer. Et puis tu vas faire un petit coup de pelle, hein. Bien sûr, tu fais jamais de CC parce que t'es une couille. Allez. Oh, je suis content de te foutre ça dans la gueule. Wodzoy! Et t'as perdu! Voilà. On quand même un petit GG parce que quand même 22 minutes de combat, c'est pas rien du tout. Bon! On finit avec une victoire, encore une fois, je suis content. Les teams que vous me présentez sont de plus en plus intéressantes, hein, je tiens à vous remercier. Surtout qu'à partir du prochain épisode, on va commencer à avoir de plus en plus de teams avec des meneurs. Par exemple, la team numéro 29, ce sera Gul'tan et Gul'tan le barbare. Donc une team très RP, mais pas. Ben, je pense pas qu'elle puisse faire grand chose contre une vraie équipe, mais. Je pense qu'elle est vraiment très 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 utile. Donc voilà, moi je vous remercie d'avoir vu, revu et encore revu, d'avoir commenté, recommenté, encore recommenté et de vous être abonné et compagnie pour le WTTT. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode et bien sûr encore merci pour votre aide. Allez, sur ce, bonne soirée, bon jeu, bisous.